Bonsoir peuple congolais, ça dépend il y a heure où vous allez coller n'angai. N'gai de mon ami le Christian Bola bien maman ma peuple mokozi peuple souverain combattant résistant révolutionnaire. Touye le lokoloba makambu etalimboka ba sujet zélé belé mais oyo to meki ko retenir pour nabino. Ezali sujet moko d'actualité et puis ezali sujet moko brûlant. Mais donc bande konangai toko meka ko mona mo ensemble nabino pour na ba conséquences futures pour na mboka nabiso et to sepeli vraiment peuple congolais nenga yambi igwe ayambi Jean-Pierre Bemba na mboka na mabele ya bakoko na ye ndenge batu ya lamuka batu ya MLC batu ya SID batu ya ba parti politique oyo balingi changement basali vraiment preuve na amour na détermination tout ça nango mais tu ressens énergie wana to bongo lango et comme énergie ya combat c'est à dire économique puisque il y a un jeu ba rwandais ba tiki biso na piste politique et sikoyo bango bazali plongé bazali ancré na crise bazali ba tiki biso na piste politique bango bazali ancré na piste donc économique donc bande ko ngai yango no moni batikeli biso politique ba créer président obino boyebi protocolaire donc bango bakena économique to lobaki yango toza ko zongela yango et aujourd'hui toza yebi sabino accord ya lemera donc ezali donc mise en application. L'accord à l'Emirat est mis en application par les Rwandais. Les Rwandais ont toujours coopéré par accord. L'accord à l'Emirat, si le Congolais est vraiment le tenant et aboutissant, bien que Babimisa accord en haut, ils ont publié quand même, mais Batuming vraiment est vraiment donc utilité dans l'outil. Donc, sur la subtilité, les Congolais ont saisir l'outil. Félix Azoué Tshilombo a eu aussi la biso nini accord au Babengi ya Nairobi et accord à Nairobi ils ont la doublure nango donc ils ont accord mususu oyo ils ali ko échapper ngana yo donc bande ko ngai donc mboka ici ba yiba yango mboka donc ils ali e baby e kufi et lelo yo batwa na ba comme na phase terminale ba comme na phase terminale donc il y a accord donc il y a l'Emera accord à l'Emera. Tu retiens les bino quelques articles et Bouyebi Sarkozy président français a yaka koloba yango na 2010 na Congo que donc il faudrait que ba congolais na ba rwandais ba sa la co-gestion ya ba ressources naturelles ou minières ya Congo na biso. Donc bande ko ngai voilà situation toza na ngo lelo oyo parce que bino bolingi démocratie bango balingi démocratie. Bango ba lingi nini économique et bango ba nani ezali ba tu oyo tu bengi ba tenant ya monde ba tu oyo tu bengi ba multinational ba tu oyo tu bengi ba société transnationale ou ezako dépasser ba frontières etc ba tu oyo tu bengi ba tu oyo bazali na ordre mondial donc ba tu wana ba bino bolingi démocratie bango ba lingi démocratie na place ya démocratie ba tieli bino nini basa na besoin économique et boyebi mboka na bino ezana kita ya mingi ya koleka yango moni donc toza na ba situation oyo to mito limbola vraiment mingi donc batu donc boyeba que tozali na danger et salami to belela yango ba na ba ndenge bele na salaka video et pa ya Anderson ça fait longtemps na Anderson na ndekonaye la miss na salaka video kala. Et dans le bar bien que Congo est un pays commercial. Donc Congo la biso est un pays moko commercial. Donc il y a moana bande konanga to yeb sakabino Congo est un pays commercial, ezali donc ezali société moko commercial, ya moana bande konanga donc bino tambo rejoa Congo comme état, bango bazo rejoa Congo comme état. Bango bazo rejoa Congo comme donc une société commerciale. Na loba yango na ba vidéo et pas Anderson. Yangwana donc to ye ko yebisa bino situation lelo o ezali que donc situation o ezali lelo que donc ba congolais
tozali tokosufri mingi Hippolyte Kanambe Kagame Museveni donc nakoloba président Tanzanie vomate et bomoni na zone wana Kurunziza ezali ti ba écarté mo muke mais puisque Kurunziza azali donc azali Utu, bamso ba bagazali mélangé touti Utu. Donc voilà, donc Kurunziza azali wana na deal o bango basala ya ba rwandais ya ba rwandais na ba multinational ba boyi ko pesa économie donc na Kurunziza bien que bango tout ba ba agressa Congo lelo to comme na phase ya application ya accord ya l'Emirat accord ya l'Emirat tu ko tangila bino quelques extraits n'est-ce pas il y a l'Emirat accord à l'Emirat toujours qui quelques articles par exemple article 7 Ingolo Banini la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays donc le 30 juin 1960 et l'Inkoloba clairement, donc Baropé sa nationalité la Rwandais. Alors, Congo, Tozali a plusieurs populations, donc il y a d'autres pays, donc plusieurs nationalités. Baposa a eu ce problème en 1972, Bisenima na Wema a pesa une nationalité donc collectivement au Rwandais, et cet aspect revient malheureusement. Malheureusement, donc, tout le monde là qui est en 81, la nationalité congolaise est exclusive. Mais, bah, Zongeli Ango, na, accord à l'Emirat, Oyo, bah, utilisé qui, bah, n'est-ce pas, bino. Laurent Désiré Kabila Signaki, Ngandu Kisas Asignaki, et Masasu Asignaki, Rubuiza Deogras, oui, Rubuiza, je pense, Asignaki, et puis, Nanoyo, Bizi Makara Asignaki. Deogras moko signé qui wana bizi makara. Donc voilà batu o ba signé qui et lelo yo botala batu ba signé ka kora l'Emirat eza ba nani. Donc o ba tikali ba nani do ba bomi ba congolais. Ba boma ba congolais ba rwandais ne ba tikali. Bizi makara zali wana Bouguera voilà Bouguera azali wana mais ba bomé la bino Laurent Désiré Kabila congolais ba bomé la bino. Nga nu ki ça c'est congolais ba bomé la bino nani. Donc, l'issoussou, Massassou. Voilà, bande gounangaï. Donc, ça, c'est l'article 17. Il y a accord à l'Emirat. Article 4, Ngui Kolobanini. Prêchant le panafricanisme, là où, balingi ba kota ba zwabiso. Prêchant le panafricanisme, l'alliance, donc AFDES, s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérêt du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais. Contre l'insurrection rebelle. Et l'ini kolobanini. Donc, bah, on va céder 300 km. Dans l'entrée, 300 km, c'est une occupation. Donc, à partir de la frontière, on va côté 300 km. Donc, on va occuper Bino. Si quoi, il faut prévoir que ceux qui, donc, Alliance, donc, AFDEL, PPRD, PPRD, AFDEL, FCC, UDPS, Lelo. Donc, c'est ça l'alliance. Et Alliance, soit plus, c'est ça la conversion. RCD, RCD, Baboué, donc, CNDP, donc, et s'est reconverti l'élo na FCC UDPS, FCC UDPS PPRD. Donc, Bango, Sikoyo, Yango, Babengi Alliance, Batouana, Bako, ça la de sorte que, s'il y a insurrection, soit qui va Congolais, Bango, Tomboko, donc, Bango, Bako, ça, Nini, soit Congolais, Bango, Tomboko, donc, Bango, Bako, ça, Nini, Sikoyo, donc, Bako, empêcher, que ba congolais ba tomboka alors ba congolais ba bengo ni donc insurrection rebelle donc bango baza ba occupant mais soki ba congolais ba tomboka donc alliance UDPS FCC PPRD aujourd'hui donc yango mutu est remplacé AFDEL c'est ça l'alliance bon moni pending ba sale ba bloc on a bango les alliés alliance donc ba accordé ba pesi Félix Tshilombo donc les alliés alliance et le lo Félix Tshilombo ko sambela ya lokuta puisque ayebi makamu place mboka na biso ya memi yango donc alors il fallait to benga na batuana donc le lo soto bito tomboka na accord à l'Emirat le binini donc alliance il faut empêcher insurrection donc rebelle donc congolais biso ba congolais le lo yo to
tokokoma vis-à-vis na Alliance, vis-à-vis na UDPS, vis-à-vis na PPRD, vis-à-vis na FCC, biso le so de vito tomboka do tokokoma lokola donc banani tokokoma donc ba rebelle. Et beaucoup moins à Félix Antoine Tshilombo, donc a eu comme mesure moko boye contre ba Congolais puisque azali dicté. Ça c'est l'article 4 il y a Alliance. Bande konanga ezali pas si mingi, ezali pas si mingi et donc voilà situation oyo tonto loba et article 1er il y a Alliance baloba nini, l'article 1er il y a Alliance ezali que les sols et les sols et sous-sols donc congolais donc appartiennent à l'Alliance. Appartiennent aujourd'hui au PPRD, à l'UDPS et INC, donc voilà. Bande konangaï, toye koloba mingi mingi, donc makamu o ezali na Congo, parce que Sarkozy a lobaka boye, le loyo makamu ezali réalisé. Et ba ezali réalisé comment, ko gestion na sikoyo, ba créer izi na transformation cobalt na Tanzanie. Pourquoi Tanzanie n'a pas expliqué bino ba créer usine raffinerie donc usine il y a raffinerie n'est-ce pas il y a or na Rwanda na Uganda na uti kolanda documentaire moko bazo parler donc usine de transformation ou raffinerie n'est-ce pas il y a or o basali na Rwanda donc basalango ils ont valeur à 16 millions de dollars. Est-ce que 16 millions de dollars est-ce que le gouvernement congolais pour la base de l'usine sur place dans le Congo pour la créer un emploi pour la richesse dans le Bissopé donc école et comment amener mais le lot basal nini usine à raffinerie na Rwanda 16 millions usine à raffinerie il y a or na Rwanda il y a or na Uganda usine il y a transformation il y a cobalt wapi na Tanzanie. Et ce de bitola na lisusu usine ya transformation ya cobalt ya coltan ezaba pina Rwanda. Donc voilà ba ndeko nanga ça c'est la cogestion. Alors ba tuana ba richesse so nyosu bazana ngote pa na bango. Donc ngelo ba nini na explicaka yango? Richesse bimi na Congo à quelques mètres près et que la transformation de l'autre côté. Et lingi ko loba nini? Ba multinationale ba société transnationale ba américain ba anglais ba anglais ba américain ba français ba belge ba société on a mis solo o ezala ba capitaux o e transformaka donc ba minéré na monde ba multinationale ba ngonde ba tie donc économie ya ba libérer en quelque sorte économie donc ba libérer en quelque sorte économie ya Congo ou l'Afrique, ba yé na ngo na proximité. Mais ba boyi eza na Congo, alors Congo, biloko ni fait eza na katia mboka na ye, eza la nyonso. Et ngelo ba nini do ba diviser Congo na deux blocs. Est na ouest. Et côté est, donc, c'est-à-dire, ba diviser même Afrique na ngo, ba don na est et ouest. Donc côté est, c'est-à-dire, ba izi nouana, et ko aide ba pays mingi Afrique de l'Est. Ba pays mingi Afrique de l'Est ezali wana donc ba emploi ko koma produit national brut produit intérieur brut donc ça dit ba richesse na bango eko sa croître au détriment ya ba richesse ya Congo chômage ko na eko diminuer il y aura création des emplois ba boye boye alors biso to kota na chômage yo congolais so boke ne kuna boye ezamboka na hote il faut son mukanda osa permis de séjour, permis de travail, c'est donc ils ont un lourd fardeau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Donc bah ils ont créé les binonini, ils ont créé donc fédération, il y a bah entreprise donc voilà entre Rwanda, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, na Congo Kinshasa. Alors que Congo Kinshasa ne va quitter Zali aye, donc bah mindele donc bah libérer économie. En Afrique, mais dans les pays misato wana ba boyeza na Congo. Biso tozali na secteur primaire de tolobaka toza biloko za sama bele ba timoli secondaire, il faut que transformer ngo do secteur secondaire ba tin ba tiango ba pays na tangeli bino transformation et sala makuna siko tertiaire. Ba rotique la biso tertiaire za ba assurance ba service donc ba assurance ba administration banque etc et dans l'entretemps et aux arabes ils sont montés tout au cabo on peut ba service wana na tertiaire tout au cabo la peine à bango
Mais bango ce ba longi biso api na transformation na secteur secondaire au secondaire base na ngi zarande primaire il faut bosa na biloko pour avoir transformer mais ba botel biso secondaire et tertiaire do ba service ba commerce ba nini ba banque do to kabo na bango voilà situation au toza na ngi siko na Congo ya mwana oyo lem so ba ndeko mingi ba au monde atier politiquement nous sommes forts politiquement mais économiquement tous allés faibles et bah Rwanda bah bien moi bah c'est nini bah ticket bino politique économique bah on va garder bah ça bah société minéne et bah minéne bah appuyer bango on va tout ça bah on va business wana donc c'est bino dont les le deux États-Unis s'affrontent na Congo États-Unis il y a Donald Trump na États-Unis il y a business donc voilà situation autour de nous na Congo et bah créer les bisous nini donc fédération bah créer les bisous donc fédération économique unitaire du Congo, Rwanda et Tanzanie, Rwanda, Rwanda, Ouganda et Tanzanie. Donc, bah créer les biso fédération, on a donc fédération c'est quoi? Fédération donc toujours on a sens il y a bah fédération bah état mais ali fédération c'est quoi? Ali na sens il y a droit et finance. Définition là aujourd'hui c'est la deuxième sens ou deuxième compréhension. Donc toujours on a compréhension vraiment t'es que donc, fédération comme regroupement de plusieurs États souverains avec un partage de pouvoir entre l'échelon fédéral et l'échelon territorial sous la forme d'un pacte qui garantit à chaque entité les compétences nécessaires à la gestion de leurs intérêts autonomes. Non. Tous ont un sens ou un athée. États-Unis, par exemple, États-Unis, les alliés, État fédéral, tous ont un sens ou un athée. Donc, dans le deuxième sens, fédération dans lobby, Ezali quoi? Ezali, c'est le regroupement de plusieurs sociétés. C'est une alliance, c'est un lien. Donc, on a bien dit, donc, et l'eau qu'on est salami, donc, ça dit, Ezali, regroupement de plusieurs sociétés, puisque na Rwanda, sociétés ont créé, et Ezali, comme ça, la raffinerie à or, c'est une société, c'est une entreprise rwandaise. Société Ezali, na Tanzanie pour na ko transformer ba cobalt c'est une société donc tanzanienne et quoi que ça la société tanzanienne et quoi que ça je vais expliquer société tanzanienne toujours on a des mots société rwandaise société ougandaise mais ba société ça a la nationalité voilà société ça a la nationalité est-ce que ça a la nationalité il y a droit étranger est-ce que ça va multinational par exemple société ça va transformer kuna ne toyoka qui ça va canadien. Est-ce que Ezali ba société canadienne nde eyekuna ou Ezali société par exemple belge eyekuna américaine eyekuna pour baza la technologie pour ba développer ba biloko wana mais ba kimi ba impôt na ba mboka na bango ba kei na Tanzanie puisque Ezali Afrique puisque coût egozala muke profit egozali belé ça c'est une question. Est-ce que Ezali société donc étatique donc ok l'État ne m'a créé yango l'État tanzanien l'État rwandais l'État ougandais je ne pense pas donc Ezali ba multinational puisque Ezali technologie ne m'a créé kuna donc Ezali ba société des droits étrangers bande konanga société ça a la nationalité donc ba société qui ti kuna Ezali ba société des droits étrangers belge anglaise américaine boy puisque bangonde mutu basa la technologie ya mwana siko ba ndeko na biso na loba yango ba perdre l'indépendance tant ba kenaki na table ronde ya Bruxelles ba kenaki ba sala ki table ronde et ba sengaki indépendance économique ba joie ki yango te ba ya ki donc rendu simplement na commission économique et indépendance politique ba pesa ibango ya mwana ba bakala ba vidéo na nga mususu est-ce que Belgique n'a pas sa indépendance économique. Et aujourd'hui, la monique donc indépendance économique, il y a Bisso ou il y a Afrique, puisque Congo est le moteur du développement, indépendance économique, il y a un bâtiment en Afrique. Et en Afrique de l'Est, Rwanda, Tanzanie, Ouganda. Ba société là ils ont besoin de technologie ou on a de transformation tu ils ont mis des mots société donc des droits étrangers. Donc voilà bande konangai et boye ba sikoyo. Donc but nini ba yeko se la ngwana but na bango ezali nini planifier la gestion du grand ou du géant Congo essentiellement par le Rwanda l'Ouganda et donc Rwanda Ouganda Tanzanie et pourquoi Tanzanie
Tanzanie n'avait pas bino Hippolyte Kanambe. Tanzanie n'était pas dans le schéma. Il y a bino quoi. C'était les Rwanda, Burundi, Ouganda. Batu oyo ba agressa biso oyo Laurent Désiré Kabila même afundaka bango na cour internationale ya justice. Au départ dossier oyo ba fundaki Tanzanie za la raté. Mais le lo ba longoli Burundi pourquoi? Ba longoli Burundi puisque Burundi Kurunzinza azali donc c'est un Hutu. Et na 2005 tant Kurunzinza azali ki une élection et président ougandais Yoweri Museveni puisque yem dans sa gang ya zone wana yem da créé ba Paul Kagame etc. Akene ko silikela ba tuti o bazali na Rwanda abi mais pourquoi bino bozali mou et o bazali Burundi pourquoi vous êtes mou na sa vidéo na loba yango so bo bet internet boku mona asilikela ka ba tuti ba ndekole puisque Museveni azali tuti asilika ba tuti o bazali na Burundi ndenge ndenge nani abimaki kuna président donc Kurunziza abi comment vous a mou alors il faut vous regarder vos frères Hutu tout au bazali na Rwanda comment ils agissent d'où ya ngomo na schéma wana baboy Burundi baboy ko pesa raffinerie de Burundi va dépendre de na kanda wana puisque ba Hutu kuna bazali majoritaire d'où maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ba créer Tanzanie mouta ko si Tanzanie c'est qui na c'est minou c'est Hippolyte Kanambe puisque il est donc c'est un Tanzanien d'origine rwandaise toyo kana malamu nga lelo nazali français d'origine congolaise donc c'est un fait normal lié à botami kuna ou ayek na basage donc aza la culture ya Rwanda Rwanda te dusko da schéma ou basene ba mindele neti yé azali président usurpateur Nakata Congo à l'époque, donc il s'est imposé. Donc, Nabi, bon, je vais donner l'usine de transformation. Donc, Namboka, il y a Bisho quand même. Donc, Rwanda, Ouganda, Netiyem d'appeler ça Bisho pouvoir, c'est notre frère. Il n'y a pas besoin d'usine de transformation. Mais moi, je ne vais pas na Burundi, na Rwanda, na Tanzanie, place na Outa, place na Kola. Voilà ndenge bakaboli biloko wana donc ça dit biso to dépendre na bango c'est ça l'indépendance économique donc technologie ya ba biloko wana e lié na ba mboka wana mais ba boko pesa ngo Congo alors Congo azana biloko nyoso o esengeli ba mindele wana ba ndoki ya Congo ba canadien ba anglais o bazana technologie bazana ba mayelo wana il fallait ba ya na ngo na Congo na biso pona ke biloko ezali wana ba timoli wana ba transformer wana eza biloko na biso pe peuple a bénéficier ou ba peuple ba contre wana ba bénéficier ba ya Congo et puis ezali implanté na kata Congo bien que goza société des droits étrangers mais du moins ezali implanté na territoire ya Congo mais biloko wana ba seli yango te voilà aujourd'hui yango na za ko senga na biloko na ba cap vers l'économique puisque politique oui toko ganga toko loba toko zala donc organiser politiquement des balobaka etc etc mais il faut qu'il y ait une finalité notre finalité c'est l'économique puisque bato za kokufa nzala ba route baby ba kela c'est baby ba donc médecine baby santé publique baby boy baby makam tout est kufi na Congo pour la ko réconcilier pour la ko remonter yango ezo senga mbongo et mbongo bino économiquement boza faible président la bino protocole a remis ko sambelaka kosambela ka puisque azali na botutu o yaza nango akomi kokosa bino ba prière moko inutile est-ce que le Congo pour se développer bazala besoin ba prière wana toboite nzamba azali oui nzamba azali toboite nzamba sa pesa biso mayele nzamba sa pesa biso mayele a pesa biso bolingo alors do il faut que cela ngo comment expliquer un président de la république il n'a plus rien à dire puisque il a vendu le pays un président de la république protocolaire il vous amène maintenant dans la voie de la prière avec des escrocs pasteurs. Mais Mboke Koufi. Voilà, c'est un médiocre du pouvoir. Ça, c'est le pouvoir ba médiocre. Et bien, il y a tout ce qui est là. Nous avons appelé ça Mabele. Nous avons appelé ça Mkita. Nous avons appelé ça Mayele. Puisqu'il y a des Congolais qui ont appelé ça Mayele dans le monde entier. Ça prouvé. Comment expliquer un président protocolaire, soi-disant président Félix Antoine Tshilombo, donc un Congolais, le leur a comme comme battre la voix à prière. Na boy na lo baké puisque Bemba yé ya sali bo mais non, a comme comme battre la voix à prière pour officialiser quoi?
Est-ce que le pasteur ou l'église catholique, l'église protestante, l'église à Bassali, le pasteur a toujours des escrocs? Pasteur Mukuna a outi ko beta même mutu ya ye puisque makamoya ki problème ba mbongo tout ça a sali tribunal perso privé ya ye na ndaku na ye puisque azali donc camarade ya président na binodo muta okanga ye azali te et ce sont de tels gens au banimba pa pesa biso ba leçon mais ba ndeko nanga c'est regrettable et votre président maintenant ba tout azama ye l'été ba ko fa nini ba ko landa ye puisque il n'a rien comme projet. Félix Tshilombo a un projet mon côté. Félix Tshilombo a un éloge mon côté. A un éloge où vous pouvez me sauter. Si vous avez la Bible, ma prière, et vous congolais, vous avez une prière en désordre, au Colanda, vous avez un peu de temps, 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 vous avez une richesse naturelle, il y a solté, il y a sous-solté, sur les amis, mes amis, un pourcentage trop faible. Mais du moins, ils ont la tête. Grâce à leur tête, ils ont créé la technologie. Grâce à leur tête, ils ont créé la boue. Et leur ont la puissance. Et puis, ils ont créé la puissance. 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 Ils ont se prendre en charge pour que les gens soient pour tout développer. On a tout. Et Félix, en tout cas, ils ont créé la puissance. Ils ont signé pour que les gens ne soient pas les gens qui ont créé la puissance. Mais Dieu a tout fait. Tout confondre. Il y a des Congolais, c'est des Congolais qui ont dit qu'ils comparer à Donald Trump. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Donald Trump a été président des États-Unis. Les États-Unis ont une grande puissance. Et Donald Trump a la foi. Il a la foi. Et puis il a la foi. Il a une bonne. Il a une mouillibité. À côté de la famille, il n'y a pas de travail. Il a la foi. Et le total n'a même une croissance économique dans les États-Unis. Ma société na bango ezo elinga nini donc délocalisation et kenebo a côté protectionnisme et zongé États-Unis a zongé état na yene ndenge za naturel et le croissance donc o esel mikuna ezalaka ten États-Unis donc a instauré prière puisque c'est un chrétien fervent chrétien catholique donc chrétien pas simplement catholique donc c'est un chrétien oyoké a instauré prière il fait ça là et lui là Félix Tshilombo bino Batu o bozali donc on éclairage tie boko mona sko ke Félix Tshilombo donc alobi makama malamu puisque vous voulez bolingi makama il faut ba sambela mais batu ko linga il faut ba sambela to boite il faut ba sambela mais ko sambela o yé Félix azoya nango là c'est quoi ko sambela o Félix a yé nango lelo a commis ko ko alobi ke a tie makama nyos tout na maboko ya Nzambe a tie Congo na biso na maboko ya Nzambe yé tanga yibi pouvoir a yé baite ke pouvoir on a yibi ezay mabe est-ce que a soso la ka singa ina Nzambe na yé ke makama na zo sala na tika yango mais bande ko nanga mais il faut tout raisonner quand même nazo ko singa na bino batu oyo boza ko landa voya il y a Félix Tshilombo puisque lui Borolanda hier à l'obi au président de la République Albéi Boye alors que dans l'entretemps a memi mboka ne kunde a memi mboka donc on a foulu donc vous voyez il n'a pas de projet Kanamba il a projet puisque Azali a projet na Azali nde raffinerie ça mi kuna ba usine à transformation ça mi na mboka il y a est et oya bango. Et ça projet Hippolyte Kanambe bisto bazana projeté mais il y a un projet sali projet naé a ke ko inaugurer biloko kuna atine de konaye na kalemi puisque ba richesse bisu fe bi makaye ke na Tanzanie na Dar es Salaam et ke na monde to expliquer ki bino et Félix Tshilombo lazo yé la batuba ma prière avec des escrocs pasteurs est-ce que ça normal dans l'entretien yé mutali boso a yibi pouvoir ya Congo Félix Ato Tshilombo alinga me ma Congo wapi et vous qui le suivez bêtement. Comment ça la chance t'es? Il y a moins donc dans ça vient donc tu vas créer fédération économique, il y a un pays wana. Donc fédération économique pays donc c'est la cogestion qui est mise en application, cogestion au Sarkozy le baki. Au to gangaki, les leurs ali mise en application et dans l'entretemps politique les leurs en effervescence to boité. Ba leader oyo bazali balingi changement to boite mais toujours singa na bango cap vers l'économique donc il faut qu'on chasse Batouana il faut qu'on chasse Tshilombo il faut qu'on chasse Tshilombo et puis qu'on chasse donc Hippolyte Kanambe
Hippolyte Kaname lobby le qui a yambi ba député ya FCC donc mouvance ya FCC a yambi bango na Kingakati bazali ko sala molongo lokola donc ba cher Pavlov donc ça dire ba beti ngonganga ba nyosu ba telemis ko ba mbwa ba telemis ba Hollanda ba servi ba mo biloko ba lia na majoire mais ba ndeko nanga to comme une époque ni même na Mobutu ba caméra zalaka to mona biloko na te mutako ya na ndenge na ya kei avec respect à côté na salon ba yambi puisque il y a rendez-vous mais là maintenant c'est l'école bazali ko landa ba directive comme ba tata mibimba ba sali politique avant hier le loi politique kana bazali ko mema bango lokola bana mike. Et voilà, bah tu vois, bah qui bah gouvernant la biso. Et zali mawaming. N'ango naza ko yebisa bino donc mboka na biso baby. Donc accord ya les mera bit na ngezayi bah planifier ki pona ba détruire Congo et lelo bah continue na phase terminale. Donc ça dit c'est une fédération économique ya Rwanda Burundi, Rwanda Uganda Tanzanie. Donc on a Congo oya biso. Congo a biso azana matière baza ko yiba biloko na ye ba tie transformation permet na avec l'accord des multinationales. Donc ça dit tout comme la fédération ya on azo senga cap vers l'économique. De on a yiba ko yisa bino ya ngwana to shuki awa bande ko na il faut faire beaucoup d'attention faut to benga na batu wana et puis Félix Tshilombo azana projeté. Azana ba mvutuma na ye ya ngwa zona na ba pasteur wana par-ci par-là donc donc pour que ba des envoûtés ou quoi je ne sais pas et le azako remettre mbo cannabis na maboko ya nzambe tout ça et ba tout ko bazali prudente ba kondimelaye alors que azali mutu oyo ayiba ki bokonzi ayeba ki te a se remettre a senga na nzambe a libérer esprit na ye a comprendre que il n'a pas gagné les élections a senga ki ngote après avoir volé la victoire du peuple le lo soir comme ko zonga comme ma prière ya ba escro wana ba pasteur ba escro ba pasteur baza même la ming baza ba qualification ming baza ba qualification même ya théologie te ba faux pasteur alors que na Rwanda oyo yazo ko kende ko zwa pouvoir Rwanda ba kangi plus de 3000 églises Rwanda kangi plus de 3000 églises et bino bolingi donc yesko atiki ba twana po ba sa ba scénario ba voûtement et économie ya mboka eko marché té na batande ngwana et dans l'entretemps Rwanda oyo ayé et donc Rwanda oyo ayé et kangi plus de 3000 églises. L'église mingi ezali do eza ba église do ya aboutissement, ba église do ya pauvreté. Église catholique ba église traditionnelle ezali et ça est permis ça tout moni. Ya eko promouvoir ba aventurier wana, ayeko promouvoir ba ekobiste wana. Voilà ba ndeko nanga o tuwe ko sabina wana, to shuki a bona na vidéo malamu, donc il faut cap vers l'économique. Politique ezali oui, Jean-Pierre Bemba zongi oui, Fayu la zonga oui, ba konzala muka ba zongi oui, mais cap vers l'économique. Tant que tu as maîtrisé cap vers l'économique, tu as dit que Congo est koufi. Et bon, il y a déjà une usine de transformation de l'économie. Pouvoir indépendance économique, au bako qu'on a bissé, va perdre l'indépendance, va s'engager à 60, va jouer à l'autre, leur table ronde, va rendre simplement comme une commission économique. Donc, commission économique, on a dit que nous avons dit que nous avons dit ba libérer économie ni Afrique centrale ba libérer économie ya Congo mais et qu'en Afrique de l'Est et qu'en ba voisin d'Abisso donc ça dit comment la dépendance d'où il y a une fédération c'est-à-dire ba créer fédération entre Congo ya Abisso Abisso tozo bimisa tozo kotinda yango kuna Rwanda pona a sa la raffinerie ba or na Abisso yokene kuna ba or na Abisso yokene na Uganda ba pétrole na biso ko kende na Uganda ba boyeboye ko kende coltan ba nini tout ça donc fédération ba yokani mikande zali ba ko yebisaka ngo binoti et lo ngina yebisa bino mikande zali ba créer biloko wana mais ba ko yebisaka binoti donc Hippolyte Kaname ba sali fédération économique ya ba état wana donc en défaveur ya Congo alors ba twana ba sene loko mokoti. Donc ngolo bani lobilo bata ba longwe bango bazali ba associé bazakuna na ba conseil d'administration ba otia ba ndeko na bango bani na ba mindelo bango moko bazali kuna donc lobilobi ata bazali te beaucoup na dépendance kuna puisque ba toi ba lingi o bazali ko détenir ba technologie ba boy ko pesa Congo mais ba pesa ba payer na lobaka yango pona coltan et pona nino
pour la cobalt. Et le loyo, bon, mon yon dengue komi, donc cobalt il sous-souté, cobalt est en Tanzanie, cobalt est donc raffinerie à or et ça mine à Rwanda 16 millions de dollars pour la usine. Est-ce qu'elle est dans le Congo 16 millions de dollars pour la basse à l'eau les gros à la tête? Félix Chino Maouti, on a plus de 15 millions pour la Kounda, Kounda, donc ma caillou. Papa Oyaye, Bakounda déjà la Belgique, pour Kounda Bakayou, 16 millions de dollars. Après, si ma Jeep n'a pas tout naïe, plus de millions de dollars. Mais ma projet pour développer les grands Congo Ezati. On a eu un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il faut total cap vers l'économique. Cap vers l'économique. Donc il faut total à un peu pour que tout ça développe. Tant que tu maîtrises un mot, tout ça développe. Et il y a un peu de temps, situation où il y a un peu de temps. Dans le bina souki abona na vidéo madame na compte la communauté ngai Christian bola bien maman ma pepe mon coach pepe souverain na bi merci. Donc cap vers l'économique, c'est économie ndem te simi mboka et bango ba simbi économie ba tike bino politique ba tike tilo mo politique politique ba tike lié en comme nango ya église mboke kufi mboke baby la mouke zali wana Martin Fayulu na bande ko na ye. Il faut dynamique ezala ya ngoto no senga soulèvement populaire pour la ko benga na batuana. Merci.